en fait. Bah ouais, j'aime bien ça, ouais. Ouais, Tara, c'est un peu. C'est un peu les travaux publics, hein. On entend ça. Hein? On entend ça. On entend ça, ouais, il y a des grosses tensions. Puis j'ai plus 20 ans, hein, alors je m'essouffle un peu quand même. Ouais, mais enfin, on t'a vu mouliner tout à l'heure, ça va. Hein. Enfin, j'y arrive encore, ouais. C'est un peu plus physique, hein, quand même, par rapport à tout ce que t'as connu. Bah, c'est gros, hein. C'est plus physique que. C'est pas très dur en fait physiquement, mais c'est long quoi. Quand on mouline, ça dure. Donc faut tenir le coup quoi. Voilà, non, c'est sympa, il fait beau là. Il y a 20 nœuds, on va être au prévent plein. Voilà, après les deux jours de tempête, c'est pas mal quoi. On bouge. On bouge, voilà. Bah, finalement, on va arriver au Canada peut-être, hein. On se commence à se demander là. Bon, on y était, mais. Bon, on y était, enfin à Québec en tout cas. Ouais. À Québec quoi. Bon, on vient de partir de Sainte-Barbe, là on fait route vers Québec. Bon, il y a un vent, il y a quoi, 15-20 nœuds réels. Donc là on se retrouve quasiment travers au vent. Là c'est nickel pour faire de la voile. L'allure qu'adore le bateau là. Donc on a envoyé les voiles juste en sortie de mouillage. On a quand même vérifié comment était le vent. Là le vent est plutôt stable, donc c'est plutôt agréable. On a envoyé les voiles, tout s'est super bien passé, nickel. Et là on fait route vers Québec sous voile. Bien quoi. Magnifique, après deux jours de tempête, ça y est, on a des super conditions là. Ouais, là c'est super, hein. 15-20 nœuds travers, c'est génial pour la baleine. Là comme la mer est quasiment plate, là, il y a des petites houles, mais rien de bien méchant, quoi. Un petit clapot gentil, mais pas suffisant pour faire rouler la baleine. Donc là on est vraiment bien là. On va filer les 8-9 nœuds tranquille. Ouais, je pense que là, ouais, on doit être 10-5. Ouais, impeccable. Qui dit mieux? Ah bon, on va essayer. Mais après, il est pas. Thank you.